Chocolo Production. Donc tu passes tout ton temps à te gaspiller sous le verre. Tu penses que c'est avec moi que tu fais ça? Tu ne peux pas bouger d'ici. Là, moi, quand tu me regardes là, la main, c'est comment? Je suis vilain, tu ne bouges pas. Tous les jours, tu me suis derrière, c'est comment? Hein? Tu n'arrives pas à aller chez le 12e lion? On a un rendez-vous aujourd'hui. Tu m'attends parce que je vois le verre, la main, c'est... Ya! C'est quoi tous les jours? Tu vieillis là, tu ne vois pas non. Tous les jours, toute une vie, tu vas passer ton temps à boire le vin. Hein? Ton ami 12 ans qui t'entraîne là, moi, ce n'est pas encore arrivé à son tour. Parce que quand je vais le rencontrer là, ça ne serait pas ça. Hein? Tu as les enfants à nourrir, tu passes tout ton temps à boire le vin. Ce n'est pas avec moi, quand c'est moi, maman de lait, qui décide à l'heure là. Il n'y a plus de ça. Tu ne bouges pas. Hé hey, maman, le mari n'est pas pris en charge. Hein? C'est quoi tous les jours avec toi? Hein? Pardon, le mari n'est pas pris en charge. On dit aux gens que c'est le ventre qui porte la tête. Quoi tu que j'ai dit à l'enfant là de m'emballer mon riz. On était à la veille. De m'emballer le riz. Les gens m'ont regardé. Voilà que ça me soulage. Hein? Je serais... Qui sera en train de manger alors là? Hein? Le ventre qui porte la tête. Je mange ma chose. C'est quoi? C'est quoi avec toi? La messie, c'est quoi? Donc, hein? Si tu veux. Pardon, hein? Je ne fais. Aïe! Je me rends devant avec tout ce lot, tu viens pas l'autre. Papa Ndolé. Papa Ndolé. Tu as dit Tam, non? Nous tous, on va se Tam. Tu vas me trouver à la maison aujourd'hui. Donc, comme tu penses que c'est avec moi, tu ne peux même pas éduquer tes pauvres enfants. Tu passes le temps à boire le vin avec 12 lions. Vous allez me trouver après. Tu as Tam, non? Tu vas me trouver à la maison. Donc, on va se voir ça. C'est moi qui décide à l'heure. Si c'est maman Ndolé ou c'est pas moi, tu vas vivre ça. C'est quoi ces 12 lions? C'est quoi? Ça, c'est qu'un sachet qui a de tes mains comme ça. C'est quoi? Tu passes partout là, les deux, tu ramasses les emportés, tu casses dans les cabas, c'est quoi? C'est quoi? Tu es là, tu manges, et c'est encore quoi le riz? Tu as le beri-beri. Non, 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 non. Si c'est comme ça, tu ne marches plus avec moi. Papa, donne le million à des foutus. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui fait les emportés dans les vestes comme ça. Non, regarde comment je suis. Regarde comment je suis vesté. Papa, ne l'aide pas, quel problème? Si l'enfant n'a même pas emballé le riz dans le sachet, tu m'aurais donné à manger à l'heure là. Hein? Moi, quand je te vois boire ta bière tous les jours, moi, je ne t'embête pas. Je ne t'ai jamais parlé de ça. Tu me vois manger, tu viens, tu cries sur moi, tu as quel problème? Toi aussi, tu vas les emporter par-ci par-là. Regarde le mignon. Non, 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 c'est comme ça. Non, moi, 12 ans, je ne suis pas déjà, mon père nous l'a dit non. C'est quoi? Il ne peut pas marcher avec un ami quand il regarde les habits. Regarde tes habits, tout ça est bouffé par les rats. Regarde. Mais tout ça, les cafards sont dans ton habit par-ci par-là, c'est quoi ça? Hein? Et regardez même ce que tu as mis au cou. C'est quoi ça? Tu veux te prendre?
Pandolet, pardon, laisse-moi. Il t'a encore dit c'est le ventre. Il t'a encore dit c'est le ventre qui porte la tête. De là où je suis là, si c'est que je ne mange pas, tu ne vas pas me donner à manger. Tu touches chaque fois à ta bière. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne peux pas marcher avec toi dans les cérémonies, dans les deuils. Tu ramasses les choses comme un chien en famille. Je ne suis pas dedans. Ça fait quoi, je m'en fous. Regarde comment tu manges, regarde comment tu lèches les doigts. C'est quoi, c'est toi du village, c'est avec moi que tu vas marcher. Non. Moi, papa, je le dis non. Je ne peux pas marcher avec comme ça avec les villageois. Regarde ta ceinture. Hein? Regarde comment je suis mignon. Ça fait quoi? Ok ma fille, après la cuisine, essaie un peu de me mettre un peu de l'ordre là dehors et tu me remplis la bassine d'eau et les bidons. J'arrive là chez la voisine, laisser une nouvelle. Hein ma fille? Ok maman, j'ai compris. Tout à l'heure. La vieille, elle me prend vraiment pour son esclave. Elle me dit, il faut laver les assiettes, tu prépares. J'ai même déjà lavé tout un tas de linge. Il faut encore dessus quoi puiser de l'eau. Non. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je ne peux pas tout faire ça. Je vais aller chercher mes gars là. Je pense que je vais aller les chercher. Papa Ndolé. Oui, d'où c'est Lyon? Les imbéciles! Oh, là, on a fait la cile! Les imbéciles! On a fait la cile! Vraiment, quand je te vois, je suis content! Vous êtes toujours jovial! Comment? Je dis, c'est lui là qui m'a embêté tout à l'heure là! Je suis en train de manger, va nous tuer, de faire que me parler de manger. Voilà que c'est même fini! Il a même trouvé sa bière! Moi qui ai dit, je n'ai jamais parlé de ta bière! Je n'ai jamais parlé de ta bière! Voilà, tu as même parlé de manger, voilà, c'est même fini, j'ai tout manger! Il a même trouvé sa bière! Tais-toi, Toto! Tu m'as trouvé! Moi, c'est jamais... pas un problème, Mani. Ça, c'est un gourmand. En tout cas, j'ai un très bon deal pour vous deux. Ah, la mise. Get them, get some, get thing. Oh, vraiment. J'espère que dans ta mission, c'est qu'il a toujours ma bien. Non. Imbécile, moi, je te promets rien. J'ai dit, chacun aura un grand cadeau. Il n'y a pas de promesse à faire. Il y a un gros cadeau pour chacun. D'accord. Il n'y a pas de problème. Vous êtes chaud ou vous n'êtes pas chaud? Moi, je suis pressé, hein. Quand tu peux compter sur moi, quand tu connais que ma bouteille est prête. Pandolé, moi j'ai dit je ne promets rien. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt? Vous êtes chaud ou vous n'êtes pas chaud? Non, il dit moi je suis chaud. Si tu veux, on parle maintenant. Parce que c'est pressé. Si vous êtes chaud, on parle les gars. Essayons, on voit. Alors. Donc nous sommes comme ça à la maison. La bassine que vous voyez là, chacun va remplir. Je vais vous donner les bassines. Donc chacun va remplir. S'il y a autre chose à remplir, en fait tout ce qui est comme récipient vide, vous me remplissez ça. Je vais travailler avec l'eau là. À part pour faire la mise. Dès que vous finissez, vous me toquez, je suis dedans. D'accord. Oui.
On a terminé, non? On peut aller l'appeler. Ok, pas de souci. Ok. Coco. On est pas là. On a terminé. Hé, les gars. Ouais, la miss. On a avez... terminé. Ah bon, hein? Mais vous avez été rapide. Je vous donne la chaise. Non. Attends, plus libre. Je ne suis pas là pour ça. Mais là, vous avez versé trop d'eau. Hein? C'est Papa Ndolé. Ça fait sale là. C'est 12 lions. C'est Papa Ndolé qui a versé. C'est 12 lions. Bon, c'est pas un problème. Vous vous asseyez quelque part là. Il n'y a pas de souci. J'apporte ce que je vous ai promis. Il n'y a pas de souci. Papa Ndolé. On peut faire comme ça. Là. La femme vient avec les t-shirts ici. Comme cadeau. Ah bah, c'est là où elle va confirmer. Qu'un dollar sans dollar, ça devient amer. Tant pis. Je ne suis pas dedans. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Même avec la poisson dans les yeux, j'ai travaillé. Elle a même pas. Ah, je sais pas. Moi, j'attends le corps sur place. Elle va voir. Elle fait comme ça, elle n'a pas pu parler. Elle peut tout me refuser, me souffler à nous. Qu'elle me tape, qu'elle me blesse, qu'elle fait tout ce qu'elle veut de moi. Mais qu'elle me donne ce moment à Dieu. Donc là, c'est le ventre qui porte la tête. Les imbéciles. Oh, c'est toujours là. Toujours. La mix. T'attends depuis. Depuis quoi? Voilà. Une petite bassine, donc vous voilà la vie. Il faut qu'on dévalise la boisson. Ah, la mix. Tu as bien fait la reine, mais. Mais tu n'attends même pas que je décapsule. Non, tu décapsules. Tu t'en vas décapsuler avec le papa Ndolé. En tout cas, bon appétit. Eh. Si vous avez fini, vous me faites signe, je viens. C'est quoi? C'est quoi ça? La mise à poser, c'est quoi? Tu es pressé, tu es quoi ça? Et tu mets dans sa chaise. Hey! Mon ami, le tubo, c'est son modèle. On t'a dit que je suis comme toi qui as perdu sa dignité. Toi, tu es dans ta bière, tu bois tout. Moi, j'ai gardé au moins pour demain. Ma dignité dans ma bouteille. En tout cas, la nourriture là que j'ai donnée, c'est pour vous deux. Hein. Je n'ai pas dit que la nourriture n'était que pour toi seul. Okay. C'est pour vous deux, vous mangez ça à deux. C'est ça, la c'est pour nous deux, comment est-ce que lui est en train de boire? Il boit, moi je ne bois pas. Je bois, c'est toi qui m'as donné ça. C'est la mise qui a dit qu'on mange ensemble. Toi tu regardes comme habillé, toi tu es gourmand, regarde tu as caché l'autre dans le sachet. Ouais, les imbéciles. J'ai dit que la nourriture là c'était pour vous deux, non? Pourquoi vous vous disputez encore? Hé, hey, Papa Ndolé, tu manges aussi? Toi aussi, 12 lions, tu manges, c'est pour vous deux. Lui, il a sa bière. Moi, je ne bois pas. Moi, je suis parti boire sa bière avec lui. Il n'a qu'à me laisser manger aussi. Tu es trop gourmand. On n'est pas en nous. Tu as posé la main. Mais mange aussi. Il va manger. Il mange quoi? Donc, vous pouvez nous laisser ta bière. Non, papa. Tu as ta bière là-bas. Là, toi, tu as deux fonctions de boucan. Tu as ta bière mais là-bas. Vous disputez maintenant pourquoi? À cause de la nourriture là. Non, tu as ta bière là-bas. Non, moi, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas les problèmes ici. Je ne veux pas que ma mère vienne me trouver dans les problèmes ici là. Je ne veux pas que ma mère vienne me trouver. Mais, ce n'est pas possible. Tu ne crois pas quoi? Tu ne crois pas quoi? Mouf. Tu vas me sortir. Mais arrêtez ça!
Vous avez quel souci, vous deux là? Vous m'arrêtez ça, vous deux là, vous m'arrêtez. Mais Papa Nolet, tu me déranges. Vous deux là, vous savez quel souci, Papa Nolet. Vous m'arrêtez la bataille là. J'ai mal fait de vous inviter ici aujourd'hui là. Prochain, je ne vous donne plus ma nourriture. Je ne veux pas que ma mère vienne vous trouver. Vous m'arrêtez la bagarre là. Vous m'arrêtez la bagarre là. Papa Nolet, ne me pas où. Mais laisse-le partir. Tu vas me faire quoi? Laisse-le partir. Tu vas me faire quoi? Moi, tu parles déjà. Pas Papa Nolet, tu vas me faire quoi? Déjà, je ne veux plus te voir. Mais monsieur, regarde, moi, toi, non, c'est fini. Tu restes tranquille. Vous savez, c'est fini. Tu restes tranquille. Sois sur quoi, je ne veux que pas. Pas déjà, toi, c'est pas déjà 12. Mais monsieur, c'est plus, c'est fini. C'est fini. Pas. C'est fini. Papa Nolet, toi et moi aujourd'hui, c'est fini. Tu me manques le respect. Hein? On va voir ça. C'est moi qui t'ai dit, moi, Papa Nolet. C'est la dernière fois que je vous ai dit encore ici chez nous. Nolet, ça, Nolet, ça veut dire mais. Mais où tu es là, quand tu as franchi le Rubicon qui est à mer. Toi-même, bouge déjà, pas. Je ne vais plus vous voir ici. Pas, t'es chez vous. C'est la dernière fois, je ne fais plus le business avec vous. C'est fini aujourd'hui. Pas, ne reviens plus jamais. Tu me vois même en route, ne m'appelle pas.